Monsieur le Président, j'ai le plaisir de souligner aujourd'hui en cette chambre que deux personnages marquants de l'histoire de Québec ont été canonisés au Vatican. En effet, le pape François a signé jeudi un décret validant la canonisation de Marie de l'Incarnation et François Montmorency de Laval. Ces deux missionnaires français ont participé activement à l'évangélisation de l'Amérique du Nord. Marie de l'Incarnation a été l'une des fondatrices du monastère des Ursulines à Québec et François de Laval est l'évêque fondateur du diocèse de la capitale de la province. Les deux sont enterrés à Québec et les fidèles qui voudraient se recueillir sur les tombeaux des saints peuvent s'y rendre aujourd'hui et demain. C'est donc avec fierté qu'il faudra désormais parler de Sainte Marie de l'Incarnation et de Saint François de Montmorency de Laval et c'est un privilège pour moi d'en laisser une trace dans l'héritage de notre Parlement canadien. Merci, M. le Président. Merci.